Bonjour. Bonjour les patounes. Est-ce qu'il y a déjà des patounes dans le coin? Ça va toi? Toi t'es une patoune toi? Toi t'es une patoune toi? Lui c'est une patoune lui. Lui c'est la patoune en chef lui. Bah oui. Bah oui. Et ça s'installe. Et vas-y que c'est beau la vie de chat. Il y a quand même un peu la petite patoune gauche qui te démange. Ça marche le fond vert? Ça marche. Bon, je sais pas s'il y a déjà du monde, mais on va commencer. On va commencer tranquillou. Histoire de kiffer. J'ai vu un message apparaître. Et c'est Serenity. Bonjour Serenity, comment ça va Serenity? On dit bonjour Serenity. Bonjour Serenity. Comment ça va? Notif Didi, ok, ouais, j'ai vu, ouais, putain. Et Twitch aussi? Ok, bon bah c'est que les gens ne m'aiment pas, comme prévu. Puisque s'ils ont les deux notifs et qu'ils sont pas là, c'est que les gens ne m'aiment pas, j'ai envie de dire. Par contre, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort. J'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus fort que dans ma première run. Mais j'en suis déjà à 11h. Ah oui, mais j'en suis à 11h pour 83%. Ouais, quand même. En fait, je suis plus fort. Parce que dans ma run, ma première run, j'ai fait 16h, 100% 16h. Donc en vrai, là, j'en suis à 83,85% en 11h, en 5h de moins. Ouais, j'avoue, je suis un peu plus fort quand même. A explosé journée de brin. Alors ça c'est quoi? C'est une expression? Genre journée coriace? On est là pour la détente. Eh ben parfait. Parfait, parfait. Écoute, c'est le but de la chaîne. C'est le but de la chaîne. J'ai vu ton message, tu as peut-être parlé à ton ami. Crystal arrive après, ok. Journée de merde, brin, caca. Ah! Bah... Pourquoi ça save ici? Brin caca, carrément quoi. Ah, salut ma louloute, le retour, ça va? Comment ça va? Mais en fait, je suis en train de me dire, ça se trouve, là c'est le boss final. Hein. T'as une journée vraiment brin caca, mais genre, tu veux en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pris des fleurs de Bac pour Tokyo, que lui-même m'avait conseillé avec Eva, via Eva, n'est-ce pas ma louloute? Et j'ai pris du noyer pour l'instant, pour le stress et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a de l'alcool dedans, elle m'avait dit de pas prendre de l'alcool. Mais ma mère m'a dit qu'on peut diluer, on peut en faire, on peut la rendre un peu sans alcool et tout. Elle va m'expliquer, donc voilà. Bon, bah ça me paraît être la fin, mais j'aimerais bien trouver quand même le dernier... Attendez, je vais m'autoriser quelque chose, à savoir... emplacement... Hôtel... Death Door. C'est super dur à dire réellement, avec un vrai accent, Death Door. Parce que c'est Death... Death is Door. Death Door. C'est très bizarre. J'ai demandé à un collègue qui est anglais, enfin vraiment bilingue, et il m'a dit bah ouais c'est difficile. Death door. Enfin c'est. C'était la remise des bulletins et les profs font du n'importe quoi. Du coup c'est le maxi bordel dans mon bureau. Ah ouais mais attends mais quoi? C'est-à-dire genre ils te foutent le bordel dans ton propre bureau à toi? Quel enfer! Comment s'est passée ta vente? Oui, j'ai effacé le message parce qu'en fait, elle vient demain. Elle m'appelle, elle me dit « Ouais, je suis dans telle ville. C'est bon, je suis arrivé, je suis à telle ville. » Et je lui dis « Bah, non. » Elle me dit « Bah si. » Mais je lui dis « Bah non. » Enfin non, mais en gros, elle s'est gourée. En fait, elle était au volant et tout. Et les amis chez qui elle dort, parce qu'elle vient de loin, elle a fait 3-4 heures de route, je crois. Et les amis chez qui elle dort, elle lui a envoyé un message en même temps que moi. Et elle a cru que je la rejoignais à l'endroit où elle était. Elle m'a dit « Bon, bah, je passe demain matin à 9h et voilà. »
Elle me l'a conseillé aussi, sans alcool, effectivement. Voilà, c'est ça, du laboratoire d'Eva, c'est ça. Mais le truc, c'est que pour commander, ça met plusieurs jours. Et moi, je pars dans une semaine... je pars dans 8 jours. 9 jours, putain, ça arrive vite. Je pars dans 8 jours, quoi. Et du coup, j'ai pas le temps de les commander. Donc, en fait, je vais vraiment diluer. Je vais mettre 3 gouttes avec de l'eau et tout. Et en attendant, en fait, je vais lui mettre sur le cou. Tu sais, genre quand on met le tupus et tout, je vais lui en mettre là, me disait ma mère. Ah merde. Ouais, merde. Bah, mais bon, écoute, demain matin, histoire de bien commencer la journée. Un beau petit bifton pour la journée, quoi. Ça va se mettre bien, quoi. Alors je regarde les différents emplacements. Ah. Ah, ça y est, j'ai la ref. Trop bien. Je sais où c'est. C'est là. Et en pharmacie? Ben en pharmacie, ils n'en ont pas. Je suis allé voir à une pharmacie à côté du taf. J'en ai appelé une autre à côté du taf, mais flemme d'y aller parce que la première n'en avait pas. Et je suis allé aussi à la pharmacie à côté de chez moi et il n'y en a pas. Mais en fait, j'en ai acheté à Naturalia. Mais écoute, je pense qu'en diluant, ça ira. Tu vois? J'avoue, je ne m'en rappelais plus de ce sanctuaire. Oui, tous les bulletins que les enfants ne sont pas venus chercher, c'est chez moi. Mais ils sont tout ramenés, séparés, je dois tout reclasser. Mais quel enfer. Mais franchement, c'est... En fait, ils te prennent pour de la merde, quoi. Genre... Merde. J'étais un peu... trop proche du bord. Mais ma louloute, on est d'accord. En diluant bien, etc., je pense que ça peut aller. Et au-delà de ça, ce soir, enfin, s'il se cache pas parce qu'il a senti quelque chose... je vais lui en mettre dans le cou et non pas dans le cul. Bon, mais en tout cas, je suis trop content pour ta communication, c'est génial, c'est super. Donc j'avais quand même trouvé tous les hôtels tout seul. Donc là, j'ai tout. J'ai 6 vies et 6 magies. C'est quand même assez dingue. Ah, du coup, je crois qu'on se dirige doucement vers le boss. Hein. Wow. Ah, je comprends pas. Je donne 2 coups et il meurt. Le gros... Oui, merci, je suis encore toute retournée. Ah, tu m'étonnes, ça fait quelque chose. Hein. Moi, la première fois, j'étais grave retournée. Là, j'avoue que j'étais un peu tremblant et j'avais un peu les larmes aux yeux quand elle m'a dit tout ce qu'il m'a dit. Mais toi, ça a dû être chaud parce que tu découvres tout ça, tu découvres la possibilité. Et en plus, elle a l'air d'avoir dit des choses assez incroyables, Louloute. Hello Zé, adorable Patoun. Salut Koala, comment tu vas? Ouais, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose en effet. Je te cache pas que... Bon, les objets, limite, on s'en fout. Enfin, si ça nous manque, on les fera, mais... Ça va super, merci. Et moi, j'imagine moi, ça va. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire, ce matin... Alors ouais, j'ai trop mal dormi, les patounes. J'ai trop mal dormi, je me suis posé trop de questions. Désolé pour la ASMR œil, mais là, ça me gratte trop. Je me suis posé trop de questions, je me suis endormi à 3h30, c'était horrible. Et genre, je me suis réveillé 8h30, donc pour certains, certaines, c'est déjà bien, mais moi, c'est excessivement peu. Et j'étais, mais explosé ce matin. Vous savez, c'est cette fatigue où t'as envie de pleurer. Genre, vraiment, j'étais dans ma voiture en allant au métro et dans le métro. Genre, j'avais envie de pleurer tellement j'étais mal. J'étais tellement fatigué, j'étais dans un autre monde. Et la journée, au final, j'ai fait plein de trucs, donc j'ai pu m'occuper l'esprit. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, donc ça va. Mais c'était très 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 difficile le réveil ce matin, putain. Non, je suis désolé pour toi, je comprends. Ouais, bah écoute, c'était horrible. Genre, je cogitais et je posais trop de questions. On se redresse, ouais, allez. Mais au final, ça a été... Mais je suis quand même bien bien explosé, on va pas se coucher trop tard. Et en plus, demain, je me réveille tôt pour la vente, donc... Ah, mais il y a une prof qui fait pire question.
être traité comme de la merde pour pas faire la file. Elle m'a tout laissé sur le rebord de la fenêtre sans aucune explication. Mais t'as pas des bonnes relations avec les profs? Mais c'est quoi ça? Mais moi, je leur foutrais du caca dans leur dossier. Je rêve. Ah aussi, j'ai enfin posé mes congés. Je suis trop content. Et j'ai même rajouté un jour parce que j'ai un jour de rattrapage. Donc, ce qui nous fait rire, elle l'a appelée ma petite louloute. Ça n'a pas plu à louloute. Elle lui a répondu, non, pas petite, je suis une grande gardienne et un être puissant. C'est trop drôle. C'est, en tout cas, c'est fascinant ce qu'elle t'a dit. Enfin, d'après les petits retours que tu m'as donnés. Ou en fait, je suis quand même bien fatigué. Mais si justement, c'est ça le pire, mais je sais pas. Et j'ai fait un mail à la direction. Ah bah tu fais bien, attends, ça va. Genre ils te mettent ça comme ça, quoi. Genre, allez, tu te démerdes. Et les patounes, vous avez vu demain le Nintendo Direct Mini? Donc pas de Nintendo Direct. Ouais bah non, moi je l'ai mis sur le Didi où vous avez page 24. Du coup vous l'avez pas vu. Ouais mais attends, mais mon œil là c'est chaud là. Du coup y a pas de musique. Ah parce que c'est l'ambiance avant boss. Moi mon prof d'histoire géographie a parlé sur mon dos et m'a manqué de respect. Tu veux qu'on le mêle? Tu veux qu'on le monte en l'air? On peut le monter en l'air. Hein. J'ai dépensé tes points, tu t'es pas redressé, je me suis redressé, mais juste après je me suis réavachi parce que je suis fatigué. Le truc c'est que comme il reste plus trop de live avant la semaine de... Oh putain ouais, c'est vraiment le boss final. Avant la semaine de repos... J'ai envie d'en profiter avec vous, quoi. On va le mêler. Vraiment, je le hais. On va le monter en l'air, ce bâtard. Mais ouais, mais t'inquiète, j'essaie d'y penser. Et merci de penser à mon dos. Ah, mais aussi, j'aurais pu aller chercher des améliorations pour mes sorts. On va peut-être faire ça. On va peut-être essayer de faire ça avant le boss final. Emplacement, pouvoir, Death Door, lieu d'amélioration magique. Il y en a un, je sais où il est. Alors ça, ok, on va essayer d'améliorer nos sorts. Comme ça, sera plus simple pour le boss final. Et puis ça nous rajoute un peu de temps de jeu. En fait, j'étais à l'endroit où il fallait aller. Donc on adore. Ah bah oui, c'est le fameux. C'est quoi le maximum de patounes que tu as eu? De... Quoi? De pat... Merci pour le sub, Maloulout. Merci beaucoup. C'est adorable. Le petit retour avec le petit sub. Trop gentil. Merci infiniment. Ça m'aidera à rembourser les fleurs de bac, tiens. Merci infiniment. Pour Tokyo. C'est quoi le maximum de patounes que j'ai eu? C'est-à-dire de patounes viewers que j'ai eu en même temps. Il y a un moment où j'ai déjà eu 400. J'avais eu 3 raids, je crois. Et j'ai déjà eu 400, genre. Mais c'est resté 10 minutes. Mais c'était cool. Quoi, mais trop cool, tu devais pas t'en sortir.
En vrai, ça allait, parce qu'ils parlaient pas tant que ça. Il y avait 400, et tu sais, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, donc... bon, c'était sur Animal Crossing, donc... Et j'étais sur Animal Crossing, donc ça va. Mais tu vois, c'est des gens qui venaient d'ailleurs, donc forcément, dans les 400, t'as toujours des gens qui parlent pas forcément. Il y a des gens en lurk. Et en plus, je sais pas, ça parlait pas tant que ça. En vrai, ça allait. Mais si c'était 400 tous les jours, ouais, ce serait une autre paire de manches, je pense. Mais bon, écoute... Espérons. Hein. Et je vois. Ouais. Mais c'est vrai que forcément, on sentait la diff. Hein. C'est clair. Mais bon. Bon, et sinon, quoi, là, toi, tu. Ça avance tes RDV avec la personne? Je sais plus si c'est là ou celui d'après. Bonsoir, Julia. Comment ça va? Ça va mieux? Bah, écoute, super bonne nouvelle. Ah, vas-y, bah, j'écoute. Roulement de tambour. Ça parle de love, ça parle toujours de love ici. C'est la communauté du love, donc qu'est-ce que tu crois? Et Serenity, j'espère que la direction va faire quelque chose. Je suis pas boulimique et je vais voir un psy pendant les vacs. Ah bah super! Eh bien, c'est une super nouvelle. Eh bah écoute, tu dois être ravi. Et rassuré. Bravo. Et prends soin de toi. Continue à prendre soin de toi. Bon. Petit combat. Je suis beaucoup trop rassuré. Je suis beaucoup rassuré. Ah bah super. Vraiment bravo. Ouais. Après on l'a senti quand même. On l'a senti aussi. On a quand même essayé. Ah oui, merde, j'avais oublié ça. Ils font quand même un peu chier. Ça va bien me réveiller, ça. Merde! Ah, on y était presque. Hein. Oui, 5 minutes après, j'avais une réponse super positive et qui a été complètement d'accord avec moi. Ah, bah, ça. Et du coup, ils vont faire quoi? Ils vont en parler? J'essaie de me mettre aux révisions, mais j'ai tout sauf envie. Aux révisions de quoi, petite patoune? T'as un examen là? Sinon, à part Serenity, vous avez passé une bonne journée. Merde. Moi, j'ai une super nouvelle. C'est bien, c'est réglé avec mon frère, mon pote et tout pour le déménagement. Le camion, tout ça. On est bien. Merde. Mais quel con. Du brevet. Ah, t'as le brevet?
putain, je... Pardon, j'avais pas du tout calculé. T'en as pas trop parlé. Ah bah, écoute, bon courage, hein, Julia. Déjà, mettre en place un autre système pour l'année prochaine, au niveau des bulletins, à mon avis, elle va faire un mail collectif. Bah ouais, faut pas laisser les couler, quoi. Mais, putain, quelle galère. Et Julia, bah, force, t'inquiète, ça va le faire. T'as qu'à te caler un son de machine à laver. Tu te mets sur ton petit bureau au calme. Et ça va le faire. C'est réglé. Ouais, je suis content. Parce que je t'avoue que je flippais. Merde, j'aurais pu donner un dernier coup. C'est peut-être le coup fatal pour lui. Ah putain, je voulais faire un perfect. Je le sentais. Merde, je regardais les messages, faut pas, je suis bête. Allez. Voilà, je le sentais que là, fallait que... je sois gourmand. J'ai mon dernier cours de maths du collège, l'odeur du prof va pas me manquer. Ah, il pue sa race. Je marchais plutôt au Conan Gray. Mais ça a vite fini en karaoké. Genre dans tes oreilles, pour réviser. Ok. Ok. Et au fait, pour ceux qui étaient là hier, la nana qui vendait le fat boy là, elle m'a dit que en fait, après, je l'ai harcelé. Elle m'a dit, en fait, il y avait déjà quelqu'un qui s'était placé dessus. Mais j'ai grave les boules, en fait. Elle a mis à 17h30 son annonce. Je l'ai vu à 19h. Il y avait déjà quelqu'un, mais logique, c'était une affaire. Et du coup, bah, ça a été vendu. Mais pas à moi. RT6, c'est triste. Bon, après, j'en ai déjà deux, mais en gros, ils vendaient la chaise, un fauteuil qui permet, enfin, où tu peux mettre ton pouf dessus, plus le pouf, au même prix que j'ai acheté un de mes deux poufs. Ah non, quand même pas, mais quasiment. Alors ensuite. Tant qu'on y est, on loot un peu. Histoire d'augmenter un peu nos power. Tu vas quand à Paname, Julia, déjà? Lundi, là? Prochain, le 4? J'espère que tu nous enverras une photo sur le Didi avec un végédal dans la bouche. Enfin, peut-être pas dans la bouche, mais une photo de végédal, quoi.
Bonne mémoire. C'est bien le 4. On va attendre. Je vais bombarder les photos. Lourd. Alors, t'as un programme préétabli ? Ce sera un resto vegan, mais pas végétal. Ah, ok. Vous n'allez pas faire végétal, en fait. Et du coup, pourquoi un resto vegan ? T'as des potes vegan, ou parce que toi, ça t'intéresse, ou parce que ça vous intéresse tous ? Ah oui, mais je l'ai pas sous les yeux. Ah, ok. Tu te rappelles plus d'une. Bon, bah écoute, si t'aimes pas les restos vegan, n'en dégoûte pas les autres. Hein. Tu veux que je te dise ? Mais trop bien. Ah non, tu me parlais du programme, pardon. Ok. Vous restez combien de temps? Les bobos paris-parisiens vont dire... Oui, mais moi je vois ça tous les jours. Oui, bah c'est comme dans toute ville. Hein. En vrai, on peut... Enfin... C'est comme dans toute ville. Toi, il y a des personnes qui pourraient être ravies de venir dans ton village, prendre des photos, etc. Et toi, tu les vois tous les jours, tu vois. Ça m'intéresse, et l'animatrice aussi. Eh ben, super. Trop chouette. C'est où déjà ? Merde, c'était pas là. Putain, fait que je reste au cimetière. Fais chier. Ok, le dernier, je sais où c'est. Ok. Alors, reste une... Ah ouais, trop bien. Vous dormez où? Vous vivez où? Bon, je vois des caisses, je les défonce. C'est pas compliqué. Mais du coup, oui, si vous dormez, si vous restez une semaine, en effet, tu vas pourras peut-être regarder Stranger Things là-bas. Moi, je pensais que, tu allais y rester genre un jour ou deux. Je me disais, tu vas pas utiliser 4 heures de ton temps pour Stranger Things. Dans une auberge de jeunesse, près du Père Lachaise. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça. Trop bien. Bah, c'est ça, sauf que c'est juste accroché la chaise. Ah bah tiens, t'es là toi. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont les mêmes patterns. Je pense que lui, il va être beaucoup plus facile. Il n'y a pas de truc autour. Il est déjà à 2 boules de feu. 3. Bon, par contre, si je suis con comme ça, ça va pas le faire. Ouais, je suis très con. Bon, ok, vas-y, je fonce dans le cas. En fait, je veux ma mort, quoi. Mais là, par contre, il était clairement mort. Encore 2-3 coups. Ce serait drôle de te croiser. Bah, j'avoue. Mais mais ça risque d'être compliqué pour le coup. Ça aurait pu, mais le problème, c'est qu'en fait, 4 et 5, je taffe au taf, et à partir de mercredi, ben, je déménage. Enfin, je m'occupe de mon déménagement et tout. Et après, je suis chez moi pour recevoir les meubles et tout. Putain, ça tombe mal.
On aurait pu faire un meet-up. Et c'est vraiment pile cette semaine, quoi. Mais un jour, ça pourrait être drôle, n'empêche, de se rencontrer entre patounes. D'ailleurs, si certaines patounes veulent se rencontrer entre elles, rien ne vous en empêche. La communauté des patounes, la communauté de l'amour, je dis ça comme ça. Non, mais je sais bien. Mais en réfléchissant au premier degré, voilà, je... Putain, en fait, ouais, mais lui, mais en fait, il a juste, c'est juste qu'il a des bouliches, quoi. On va tenter, voilà, ouais, voilà, c'est bon. Un meet-up, un meet-up avec avec trois personnes. Bah, en vrai. N'empêche, à part les objets, je l'ai poncé le jeu. Donc en fait, là, j'ai super arc, super bombe, super feu, et il me manque super super grappe. Vous m'avez jamais aimé, donc meet-up. Ouh, la fatigue se fait ressentir. Chez vous, ça va? De toute façon, personne ne m'aime. De toute façon. Vous savez que ce délire-là... Je l'ai depuis vraiment très longtemps, encore plus. En fait, j'ai l'impression que je le fais avec tout le monde. Mais c'est vraiment purement pour rigoler. Mais genre, c'était des conclusions avec mes parents, avec mon père, mon frère et tout. Parce que souvent, je parlais et quand ça leur donnait des idées, bah, ils me coupaient la parole et ils parlaient et je pouvais plus en placer une. Et du coup, je disais, bon, de toute façon, personne ne m'aime. Et ça nous a toujours fait rire. Et c'est resté, et après j'ai dit à Bobo, pareil, de toute façon tu m'as jamais aimé, etc. Et après c'est venu chez vous, enfin avec les patounes. De toute façon personne ne m'aime. En fait je fais le coup avec tout le monde. Mais c'est purement de l'humour, et c'est en aucun cas pour qu'on me dise que si. Mais je sais pas, c'est drôle, j'aime bien cette vanne. Alors, on réfléchit, c'est en bas. Tu monopolises le chat? Bah ouais, j'ai l'impression que les petites patounes sont un peu fatigouses, on va dire. Mais chacun son rythme, et tant que les patounes présentes passent du bon temps, moi ça me va. Putain, Betty, c'est trop dommage de pas avoir pu faire plus longtemps. C'est ma patoune artistique. Exactement. Du coup, tu aurais pu te prénommer Calimero épicé. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas non plus mon mantra de vie, quoi, tu vois. Mais ouais. Mais ouais, c'est vrai. Bien le bonsoir par ici. J'ai eu trop de mal à me réveiller, comment allez-vous? Bah, on est deux. Parce que tu t'es réveillé là récemment? Parce que moi, ce matin, j'en parlais tout à l'heure, mais c'était un enfer. Vraiment, je... Et du coup, merde, du coup t'as réussi à te réveiller, ouais. Sinon tu serais pas là. D'ailleurs, pourquoi c'est répété comme pseudo? Ah, je vous l'ai pas dit? Non, si, il y en a qui le savent. Mais tout simplement parce que c'est Xbox qui a choisi. J'avais pas envie d'utiliser mon ancien pseudo. Et j'étais sur le Xbox Live. Et en fait, j'ai demandé à Xbox de choisir. Ils ont choisi pour moi, ils m'ont donné Serre épicé. Ça m'a fait beaucoup trop rire. Et je l'ai gardé. Depuis, c'est Serre épicé. Juste là maintenant, j'ai fait une sieste de la galaxie. Ah oui, d'un autre monde, en effet. C'est ouf. Et t'es quand même... Ça va? Ça t'a récupéré? T'as récupéré? C'est trop mignon, c'est épicé. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Hein.
Mais ça me fait plaisir que ça vous plaise, merci. Julien n'était pas encore arrivé quand tu nous l'expliquais, il me semble. Ah oui ? Ok. Je pensais l'expliquer souvent, en fait, mais ainsi soit-il. Maintenant, tu as la réponse, Julien. Ouh, celui-là, c'est le plus dur, je pense. Il me fait peur. Ouais, en plus. On dirait le Grey Crow. Mais en vrai, quand on y va tranquillou, faut juste analyser les patterns, quoi. Tu vois, en plus, c'est logique. Il fait quasiment toujours la même chose. J'ai juste peur de ces boules. Ouais, titre, ouais. Là, c'est clairement un des meilleurs titres possibles. Parce que là, c'est titre de sa sextape, quoi. Ouais, je pense que... Franchement, alors, je vais pas le dire haute voix parce que le karma... Mais vous savez ce que je vais dire. Ouais, voilà. Je voulais dire que j'allais faire un perfect. Maintenant, je peux me permettre de le dire, puisque... Mais en fait, il a changé son pattern, ce bâtard. Par contre, vraiment, je roule sur le jeu. Le boss final, ça va être une autre paire de manches. On va voir. En fait, si je reste au milieu, il fait rien. C'est ça, hein. En fait, faut juste rester au milieu. Ah, il est pas bien. Il est pas bien, le man. Il est pas bien. Allez, j'aurais pu faire un perfect. Il est pas bien. C'est fou à quel point je trouve que c'est limite pas difficile maintenant. J'arrête pas de le dire à chaque fois. Mais vraiment, déjà, je suis fier de moi. Mais vraiment... Oh, regardez, on voit là-bas. En fait, ils sont tous au même endroit. On voit qu'il y avait l'arène du rouge là-bas. C'est drôle. Ah, c'est drôle, ça. J'avais jamais remarqué. J'espère que demain, tu vas moins galérer que ton réveil. Bah, ça va être pas difficile de moins galérer que ce matin. Comme je disais tout à l'heure, c'était la fatigue, genre, morale et physique. Genre, j'étais au bord des larmes tellement j'étais fatigué. C'était horrible. Je ne savais pas. Au plus, l'explication ne s'est épicée. Et ben voilà, les patounes, maintenant, vous savez. Je suis pas original à mettre mon prénom, mais avant, c'était Crème00. Bon, c'est pas grave, au moins, on sait que tu t'appelles Julia. Je suis H24 fatigué depuis qu'elle a changé de dosage. C'est invivable. Je suis à fleur de peau en plus. Oh, ma pauvre. Ma pauvre. Mine de rien, ça fait 6 mois que je suis là. Mais putain, mais déjà, quoi. C'est ouf, hein. Ça me fait trop plaisir. Ah. Ok, un objet en plus. On va pas dire non. Le film m'avait dit de me renommer en Jumilia. Parce que le haut fait penser que je suis un homme. Jumilio. Ouais. Ouais, mais enfin... Maintenant que tu le dis éventuellement, mais tu vois, comme Julia, je m'étais jamais fait la réflexion. Je trouve pas. C'est repartageant nos mouchoirs ensemble. Ouais, là, c'était vraiment compliqué ce matin. Tu as trouvé un jeton de mort. D'anciennes cultures plaçaient ces jetons sur les yeux des défunts pour payer aux dieux de la mort leur passage vers l'au-delà. Les gens des anciennes cultures devaient avoir de très gros yeux. J'ai combien d'objets, là? Putain, ça chiffre, hein. Pièce que l'on plaçait sur les yeux des défunts lors d'anciens rituels funéraires. Elle appartenait à l'origine à José Pulture, le fossoyeur, qui l'a probablement récupérée lors d'un enterrement. José Pulture, j'aime bien dire José, est tenu par l'honneur d'enterrer les défunts et de leur souhaiter la paix après leur mort. Parce qu'en vrai, à mon avis, il s'appelle José Pulture, mais José Pulture, ça le fait pas.
José, ça fait Ro Sépulture. Voilà, c'est tout. Unification, alors, hop, j'ai mis là, ça se prononce super bien. C'est quoi là? J'ai réussi à m'endormir avec Poop à côté de moi sans collerette. Je me suis réveillé, elle était mouillée de partout. Oh merde. Parce qu'elle s'est léchée de partout? Ou alors elle a foutu de l'eau partout? Demain soir, les patounes, je travaille un peu tard, mais peut-être que je pourrais live en rentrant, je vous dirai. Sinon, mercredi et jeudi. Ah, jeudi, je sais pas. Enfin, je vous tiendrai au courant. Mais de toute façon, les fins d'année, c'est compliqué. Tout avec un déménagement. Je vous dirai ça. Elle se léchait, mais elle n'a pas tiré ses poils. Ah, tant mieux. Ah, mais t'imagines, en fait, elle peut pas se lécher. Jamais. La pauvre. Putain, ça me fait de la peine pour elle. Enfin, je veux dire, qu'elle en arrive à avoir une collerette et tout, quoi. Pauvre petite minette. T'as essayé... Toi, Jumilo, je m'en rappelle plus, toi, t'as contacté Eva ou pas? Je me rappelle plus, il y avait Louloute, Dreams, je crois, potentiellement, et toi, je crois. Je sais plus. En tout cas, Louloute a contacté Eva et apparemment c'était super merde. Mais tu peux pas voler en fait avec tes ailes, toi. Incroyable ça. On va faire ça. Danja Arnold pour ça qu'elle n'a pas dormi. Oui, tu lui as demandé et elle t'a répondu, c'est ça? La pauvre, putain. Il nous fait chier le Arnold, hein, quand même. Ah, c'est pas mal cette... C'est pas mal cette anecdote, Jumilo, pour l'explication. Merci pour ça. Ah putain. Il m'aurait... Sans sourcier. Bon. Merci à vous. Ouais, c'est cool, hein. Je t'avais à l'œil, jeune corbeau. Je ne pensais pas que nous en arrivions là. Et pourtant, c'est le cas. Chacun de mes semblables a été créé par le maître qui lui précédait et entraîné à assumer ses fonctions avant sa mort. C'est la serrure de Avarice. Le jour de notre création, la date de notre mort nous est annoncée. Mon prédécesseur, mon créateur, était un tyran cruel, obsédé par les règles et l'ordre, par ce qu'il appelait l'ordre des choses. Ce vieux cinglé ne m'a jamais donné de nom. T'imagines un peu? Moi j'en ai pas non plus, hein. Il est trop drôle le perso. Comment vivrais-tu si tu connaissais la date exacte de ta mort? Si chaque instant de ton existence dépendait de cette fin, j'ai dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour me préserver. Je sais que ce que j'ai fait est immoral et difficile à justifier, mais je ne peux pas me laisser mourir. Je refuse de partir sans me battre. Alors, jeune corbeau, es-tu prêt à te battre pour ta vie comme je le suis? Ça va être un gros gros combat là. Faut peut-être que j'analyse les patterns. Surtout que vraiment, c'est...
vais tenter la bombe. Ok. Ouais, ok, ça commence déjà. Ok, voilà. J'adore ce personnage. Le maître des portes ? Ouais, il est trop bien. Non, mais ce jeu est fou. Ok. Je pensais que je pouvais. Merde, j'ai été con, franchement. Par contre, le problème, c'est... Enfin, j'ai plus de vie, quoi. C'est un giga parcours du combattant. Je crois que je recommence là. Ah, et pour te répondre, techniquement, elle ne se lèche pas. Elle ne fait que de se bouffer ou lécher 1000 ans au même endroit. Oh là là. Mais quand je suis réveillé, elle avait léché un peu partout. Putain. Au moins c'est bien, elle a juste léché. Salut Dreams, comment ça va petite patoune? Ça va bien? Regardez, il me tire des... Genre il tire des trucs. C'est chaud. Hey. Je l'ai un peu eu. J'arrive et tu es mort, c'est quoi ce bazar? T'inquiète. Putain, le thème réorchestré, j'aime trop. Merde, je suis bête. Ah. Donc toi, tu me balances des trucs de venant d'un autre monde. Carrément. Vous avez vu, on repasse par partout. Ça va, j'ai la famille qui va venir demain. Ah, trop bien! Trop bien, trop bien. Tu vas, il reste combien de temps? Salut Cristal! On est au boss final. Ça va, j'ai eu bonne chance contre le maître des portes. Merci beaucoup Cristal. On a eu tous les améliorations de pouvoir là depuis 50 minutes. Et le dernier hôtel. Donc je suis content, je suis bien stuffé. Ma tête, ça vient, ça part. Je ne comprends pas trop la douleur, mais pas constant non plus. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre ça. C'est Byzance, comme on pourrait dire. Merde, je l'ai vu. J'aime bien, n'empêche, ce combat. C'est bien de regarder les messages, c'est bien. Il reste 2 ou 3 jours. Ah bah génial, vous allez pouvoir profiter ensemble. Toi ça va Cristal? Génial. T'as passé une bonne journée. Ah non, je recommence ici carrément. Ah ouais, faut que je fasse attention. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. C'est moyen ça. En plus, j'étais juste à la fin. Oh merde. En vrai, c'est toujours ça de prix. C'est un peu chaotique en ce moment, c'est vrai? Les journées? Merde, moi c'est ma technique qui est chaotique là.
Et continue de balancer des trucs, ce bâtard. Je suis en train de faire un bilan de compétences, c'est chaud. C'est le premier. Ta santé mentale est chaotique, merde. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer, cette santé mentale? J'ai vu un follow. Merci beaucoup. Merci, Matoufiche. Merci, bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène ici? Le petit corbeau. Allez, on se concentre. Allez, tu vois, on était pile à la fin. Honnêtement, je sais pas. Putain. Bah, courage, courage, ma petite patoune. Courage, courage. Je reviens, je vais demander. Ok, à toute, Jumilio, pas de soucis. Bienvenue parmi nous, Matou. Alors, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, ça. Yes. J'espère que je vais repop ici. Bon app, Julia. J'espère que je repop ici, putain. Après, sinon, ça va, c'est pas très grave, mais c'est juste long. Oh, putain. C'est très long, même. C'est chiant. Bonjour, tout le monde. Oui, exactement. Je suis en train d'y jouer. Super. Tu découvres ou tu l'avais déjà fait? Et qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bien, moi j'aime, je suis fan de ce jeu. Courage à toi peut-être. Non, mais peut-être. Oui, c'est peut-être ça, c'est vrai. Mais oh, mais vas-y, t'arrêtes d'être con. En fait, je crois qu'il faut juste que je l'évite. Et dès que je sens un tout petit peu d'ouverture, en fait, faut pas que je nique mes vies ici. Faut pas que je nique mes vies ici en fait. J'ai déjà fait des introspections, mais là j'y arrive pas. Ah, c'est que c'est pas le bon moment. Tu arriveras quand tu seras à nouveau prête. J'ai peur d'être trop loin, putain. En vrai, oui, c'est pas dur. C'est juste long. Je reviens. À toute, Jumilio. Je crois que là aussi, faut tout simplement que je l'évite. Dit-il en fonçant sur lui. Ah oui, surtout quand il va lancer ses trucs, là. Merde. Au moins que j'arrive au... Je sais même pas si... Si quand même il a des trucs rouges, mais je sais pas si ça compte ces fissures pour la phase finale. Je sais plus. Je suis pas bien par contre. Merde, putain. J'ai vu un ami jouer, ça m'a beaucoup intrigué. Et du coup, j'ai commencé. Il est génial. J'ai passé la sorcière, je suis dans le donjon suivant. Ah, super. Ah bah, trop bien. Tu l'as pris sur le Game Pass ou tu l'as pris sur une autre console?
faut que tu fasses avant la fin de la semaine le bilan de compétences. Ah ouais, en plus, il y a ta famille qui arrive là. Bah peut-être qu'avec eux, ce sera peut-être plus simple. Peut-être que tu peux voir avec eux s'ils peuvent t'aider. Je sais pas. T'en penses quoi? Ah merde, mais qu'est-ce que... Merde. Vas-y, perds bêtement comme ça, ça me... Bon, en tout cas, je suis content que ça te plaise, Matou. Sur la Switch? Ok. Moi aussi, je l'ai repris sur la Switch. En fait, je l'avais déjà fait sur PC, quand il est sorti. Ah, putain. Non. Ça devrait pas faire ça. J'ai juste appuyé sur B. B, ça devrait te mettre annulé. Mais il faut recliquer sur B pour quitter. Ah bah super. Bah super. C'est... bah mince. Putain. Bah je... Putain, c'est quoi cette merde? Oui, je demande à mon homme et ma meilleure amie aussi. Dans le recul que j'ai pas. Ah bah voilà. Je suis coincé dans un bug là, clairement, regarde. Mais surtout, j'ai quitté sans vouloir quitter. Enfin, j'ai appuyé sur B sans... Parce que je sais pas, je voulais appuyer plus vite depuis ma plus tendre enfance. J'appuie sur B pour que ça aille plus vite. Ce qui est vrai. Mais bon... Bah wesh. Bah wesh. D'ailleurs, il me manque le deuxième cristal de magie, je crois. Je sais pas où c'est qu'il est. Je vais essayer de le trouver. Où est-ce qu'il est? Ouais. Bah là, on vient d'avoir le dernier, là. Ils sont bien disséminés. Cherche bien. Cherche bien, bien, bien. Depuis ma plus tendre enfance. Ouais, bah là, mon enfance, elle en prend un coup, là, avec ce bug. En plus, je suis coincé dans un bug parce que j'ai quitté. Attendez, je vais faire des roulades pour quitter cette... Voilà. Putain, c'est même ça, c'est un piège, quoi. Par contre, j'espère que je vais pas devoir recommencer tout. Bah si. En fait, si. Putain, mais quel enfer. J'ai quitté, mais... Oh, je me déteste. Je me déteste. C'est simple, je me déteste. Putain, ah, ça m'énerve. Non, mais sérieusement, parce que regardez, en fait... Ah voilà, j'ai pas le choix de toute façon, mais comme je vous disais, j'ai juste appuyé sur B et ça a annulé directement. Normalement, ça te fait une survalidation, une deuxième validation. Oh, l'enfer, merde, putain. Oh, ça m'énerve. Non mais c'est quoi ça? C'est la première fois que le jeu m'énerve là. Plus comme j'ai 6 vies, c'est long. Ça va les rassurer. Ouais mais quel enfer. J'ai perdu grave du temps et là aussi. Trop bizarre ce bug. Putain, c'est vraiment... Faut être au taquet, quoi. Lâche-moi, par contre. Hein. Laisse-moi te battre, quoi. Hydrate-toi, bon sang. Je m'hydrate. Le chargement, il est pas long. Au prochain. Bon, il est long. Ah bah, j'ai... Ok.
Oui, c'est vrai qu'en fait, depuis tout à l'heure, je recommence ici, mais... Moyen, moyen dodo, moyen. Tu fais des finger guns? Ouais, j'adore. J'ai plus d'eau. Il se retourne salement quand même. J'ai plus qu'une vie. Au cas où vous n'auriez pas vu. J'avais oublié. Mort. Franchement, j'ai peu d'espoir. Soit je temporise et j'essaye vraiment de me concentrer. Je finirai pas ma phrase. Je refuse de finir cette phrase. Ouais. Et tu joues à quoi en général, Matou, comme genre de jeu? T'es plutôt éclectique et curieux, du coup, justement, ou c'est ce genre de jeu-là qui t'attire? En vrai, c'est toujours ça de prix. Allez, on temporise. On lui donne quand même un ou deux coups quand même. Ce serait con de... En plus, là, j'avais pas trop prévu son... Putain, à chaque fois je prévois pas et à chaque fois je m'en sors. Là, j'avais prévu. Ah merde, j'aurais pu. Vous avez la ref? La ref de quoi? On peut rater sa vie, mais pas de sa mort. Bah, c'est ce que t'as dit hier, mais je me rappelle plus, je te cache pas. Ça vient de quelque chose? Allez. Attention à pas tomber dans le vide. Allez, on se relève. On se concentre. On temporise. On fait pas le con. Je sais pas s'il faut que je le tape. Je pense pas. Il me fait juste sa démonstration de force et...
On va voir. Ce serait con quand même de perdre beaucoup de vie pour rien. Vu que j'étais... Je me suis fait U. Je pense qu'il faut quand même le taper un peu. Normalement, là, il serait déjà... Allez. Allez, voilà. Pas trop d'ouverture pour le frapper. Là, je crois que c'est... On arrive à la dernière phase. Oh non, putain, c'est pas fini, c'est pas fini. Oui, c'est d'une chaîne YouTube qui parle de film. C'est la réplique du film du coroner. Ah oui, le coroner, ouais, je connais. Mais là, je crois que j'arrive à une nouvelle phase. Je pourrais save ici. La chaîne, c'est Chronique Fiction. Ouais, je connais. J'avais une amie qui avait joué dedans. Mais j'ai jamais trop regardé. Putain, on est chez Betty. Il nous fait Betty. Ouais, j'espère que ça m'a... Imaginez, faut que je recommence au tout début du truc. Je la conseille pour tous les amoureux ou curieux du cinéma. Ouais, mais moi, j'ai jamais été trop fan de ce qu'ils font. Mais peut-être que j'ai pas trop regardé. Putain, s'il vous plaît, remettez-moi à la dernière phase, pas à la première. S'il vous plaît. J'ai peur. Oh, putain! Mais c'est quoi ce combat? Je me rappelais pas que c'était si dur. En plus, c'est même pas fini après ça, hein, les patounes, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là, mais quel enfer! Faut le vouloir. Hein. C'est pas le vol final pour rien. Ouais. Je... Putain de... Franchement, sachant ce que je sais, faut pas que je perde de vie. Et de deux, tu peux le faire. Merci. C'est... Waouh. Je pensais que ça sauvegardait à chaque phase de course, mais en fait, non, t'as les trois biomes. Oh, c'est long. Oh. J'attendais, tranquillou, que ça se passe. C'est hard pour t'encourager. Merci, petite patoune. Allez, ça commence! Peut-être que les bombes, ça lui fait bien mal, hein. J'ai l'impression quand même. En vrai, les bombes, ça lui fait mal. Et je peux les balancer à bout portant. On va essayer. Ça se trouve, ça lui casse son... Ah, ben alors ça, c'est la honte, ça. Tu es divertissant. Comment tu le dis, c'est... J'adore.
meilleur compliment. Les bombes ont l'air d'être une bonne idée. Ouais, clairement. Surtout avec 3 vies là. Ouais, ok. Ouais, sauf qu'il me faut de la moula d'énergie. Bon, de toute façon, c'est perdu. Oui, bah c'est bon. Le mec, il s'acharne sûrement. J'ai réussi une fois. On va réussir une deuxième fois. Le but, mais grave. Quel bâtard. C'est vraiment le harceleur, quoi. Alors là, la honte. Et moi, je me demande vraiment pourquoi la mort t'aide pas. Je crois qu'elle disait que parce que c'était que parce qu'elle avait son pouvoir était coincé dans la porte. Non? Je crois. Hein. Bon, j'en ai marre de recommencer bêtement. On va tenter quand même. Tout, peut-être qu'avec les bombes, ça ira. Oh, je l'ai fait bien mal, là. Le truc, c'est que là, j'en ai plus. Donc, faut que je le tape direct. Putain, j'ai cru qu'il allait faire directement. Mais qu'est-ce que je fais, sérieusement? Ouais, les bombes, c'est quand même plus efficace. Hein. J'en connais un qui est heureux. Vous le connaissez aussi. C'est vraiment des flemmards, hein, ces chats. Ils foutent rien. Ils ont la belle vie. Ils sont nourris, logés, blanchis. Câlinés, aimés. J'en profite de le taper comme ça parce que les bombes, ça sera plus simple là. Il pétrit. Non, non, là, il dort. Et peut-être que. Ah, bah super. Se mettre en grappin. T'as tout compris. Mais vas-y. J'en ai marre d'être con. Je perds tous mes moyens quand je perds. Allez, vas-y, tue-moi. Tout le monde mérite cette vie, ouais, la vie d'un petit Tokyo. Ouais. Vous jouez à quoi, vous, les gens? Bon, en ce moment, là, on est bien Death Door. Enfin, moi, en tout cas. Mais sinon, je suis vraiment très, très éclectique. Mais tu m'as pas répondu, toi, à quoi tu joues. Surtout, déjà, avant. Donc, toi d'abord. Mais en attendant, moi d'abord, je joue à vraiment plein de trucs, moi. Sauf un peu les jeux d'horreur, parce que j'ai peur.
Il est 21h, non? J'ai pas regardé l'heure. Mon écran, c'est jauni. Ça, là. Suprême, putain, faut vraiment qu'on l'essaye. Putain, putain. Ça va, toi. Putain, après, il y a encore un autre combat, Betty. C'est chaud les patounes, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis, c'est chaud là. Putain, en plus c'est Betty. Allez. Bon allez. Bah oui, allez. Fait trop peur. Allez. Leur téléphone est pas tout. Si on se voit plus ce soir, je vous embrasse très fort. Merci, merci. Enfin, merci, on t'embrasse aussi. Bon téléphone. Ah, c'est pas la mort de mourir. Pas mal de choses, surtout oxygène, putain. Et Don't Starve qui ont été développés par Clay. Ce sont des super jeux de survie. Ouais, je connais bien. Avec une petite touche de Tim Burton. Et je n'ai pas eu l'occasion de les finir, c'est pour vous dire. Et là, j'ai commencé Hollow Knight. Hollow Knight, c'est un peu dans le même délire. Hein. De la musique Death Door, ouais. En 2D, avec un peu plus de plateforme, une très belle bande sonore, il paraît. Mais c'est un peu plus difficile. Et pareil, on se perd pas mal. Mais ouais, ouais. Hollow Knight, un jour, quand même, les patounes, il faudrait que je l'essaye. Parce qu'il paraît que c'est vraiment un putain de jeu. Et je l'ai sur tous les supports, donc... Sinon, je fais des maisons sur le DLC d'Animal Crossing. Mais ouais, Hollow Knight, incroyable. Et Silksong qui a été annoncé. Par contre, il va me les briser, là. C'est vraiment pour me... Qu'est-ce que... Je suis passé à travers. Je...
Patou, c'est dur, c'est dur, c'est stressant. Non. Oh. Ok, j'espère que c'est la phase finale. J'ai regardé un live sur Cyberpunk, c'était incroyable, j'adore ce jeu. C'est vrai, c'est vrai. Et ça vous chaufferait ou pas? Parce que Cyberpunk, j'attends depuis qu'il est sorti de le faire. Hein. Si vous êtes chaud pour que je le commence, franchement, on le commence cet été. Hein. En août, quoi. Après Stray et Endling. You can do it, you can do it. Ouais, je crois que c'est la dernière phase, là. Ça me chauffe 100%? Bah vas-y, bah je le prends sur PS5 et on se le fait. Putain, on a réussi. C'est la dernière phase. Bon, moi, je suis chaud. C'est vrai, Jumilio? Ah putain, bah si vous, bah, ça me rassure. Je pensais pas que ça vous plairait. Mais si vous me dites que ça vous plaît, moi, en août, on commence. Hein. Ça peut être notre jeu de l'été. Hein. On commence en août, comme ça, en septembre, prochain jeu. On finit Death Door. Après, a priori, je live plus trop pendant une semaine. Après, on voit. Après, c'est Stray et Endling jusqu'à fin juillet. Et ensuite, en août, on commence ce Cyberpunk. Vas-y, je suis chaud. C'est violent, mais c'est vraiment stylé. Le jeu Cyberpunk, ouais, carrément. Non, mais moi, je sais que je vais adorer. Hein. Mais juste, j'ai attendu tellement longtemps que je l'ai limite oublié de ma tête, tu vois. J'aime regarder les gens jouer, alors je suis preneuse de tout. Ah bah, vas-y, bah... On se fait ça. Bon, vous avez vu comment j'ai galéré pour en arriver jusque-là, bah c'est toujours pas fini. Et là, c'est limite la phase la plus difficile. Mais bon. On va finir par y arriver. Ah bah trop bien, écoutez, pour Cyberpunk. Moi, je suis chaud. Hein. Ça plaira, de toute façon, pas tout, il y a une bonne histoire. Yes, ça marche. Au moins sur Hollow Knight, il y a une carte, c'est ça. C'est le seul point noir de Death Door, je trouve. Comparé à Death Door. C'est quoi Cyberpunk? T'as pas entendu parler de Cyberpunk, Matou? Quand même, Cyberpunk, c'est un peu... un des cas les plus connus du jeu vidéo, d'un bad buzz. Sauf truc de zombie, je déteste zombie. Bah oui, du milieu, je sais, comme Crystal, comme beaucoup, mais pourtant, j'ai deux trucs à vous dire. J'aimerais vraiment faire les Walking Dead à la Life is Strange avec les choix, et je pense qu'il faut passer au-dessus du côté zombie, parce qu'apparemment, c'est vraiment bien, et surtout, du milieu. Si t'aimes l'ambiance patoune ici et tout, il faut absolument que tu sois là en septembre quand on fera quand on refera Last of Us 1 et Last of Us 2. Parce que c'est vraiment... Il y a peu de jeux comme ça, mais t'en ressors, t'as un avant et un après Last of Us, vraiment. Pourquoi nous sommes là, jeune corbeau? Pourquoi est-ce que j'existe? Poursuivre les traces des maîtres des portes avant moi? Pour refaire sans cesse les mêmes choses? Dans quel but? À quoi bon? Si nous devons tous mourir un jour? Je crois que je ne saurai jamais. Parce que je ne mourrai jamais. Après, ça se regarde. Juste que les zombies, j'ai un blocage, c'est ma phobie, ces trucs. Mais moi, étrangement, j'adore les zombies. J'aime pas les jeux d'horreur, mais les zombies, j'adore. C'est un jeu qui ressemble à GTA, mais dans un mode futuriste. Exactement. C'est un peu plus poussé. Ok, ça commence bien. Alors là, il va m'envoyer tout ce qu'il a. Il fait toutes les phases de tous les boss. En même temps. Oh là là. Ah bah c'est bien de tomber pile sur moi en fait. Si tu veux que je te batte, c'est pas comme ça qu'on va... Et
Et ça, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que c'est assez aléatoire. Enfin, non, c'est pas aléatoire, mais... Ouais, alors, je peux pas valider ton message, mais je l'ai vu, ce boss ne me lâche pas, en effet. Il est insupportable. Il veut pas mourir. Il l'a dit, de toute façon. Mais là, je suis en plutôt bien, là. Mais qu'est-ce que... Comment je fais pour éviter ces coups? Regardez, il va vraiment pas bien. Hein. On y croit. Ah putain. Oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Regardez, il était mort. Il était mort. Non, j'ai même pas regardé de live dessus. Merci Christelle, je suis intrigué de voir ça. Ah bah vraiment, Cyberpunk, c'est... Mais c'est drôle que tu connaisses pas. C'est ouf. Je suis sûr que ça pourrait être la réalité. Après, je regarde, donc tu me fais découvrir ces jeux si tu y joues. Bon bah tant mieux. Je crois qu'il veut pas que tu le battes. Autour de mes messages qui doivent être vérifiés, c'est ça. Là, c'était vraiment... Mais ça va, c'est moins chiant que les phases interminables d'avant, là. Clairement. Mais j'ai tenté des fulgurances, quand même, dans le combat de... Mais là, pareil, je comprends pas comment je fais pour éviter. Je suis passé à travers, en fait. En fait, Matou, Cyberpunk, c'est vraiment un cas d'école dans le sens où... Merde. En fait, le jeu était censé être incroyable et en fait, il était nul. Enfin, hyper mal... Enfin, il était pas nul. Mais hyper mal fini. Et il a été détesté par le monde entier. Il y a eu des scandales, etc. Il a mis 7 ans à être fabriqué et c'est par ceux qui font The Witcher. Et clairement, c'était censé être un giga banger et il y a eu trop des merdes dessus. Merde. Dis-toi qu'ils ont remboursé quasiment la moitié des acheteurs. Ils ont offert des trucs. Enfin, c'est vraiment un cas d'école. Mais ça reste un truc assez exceptionnel. Et très beau aussi, juste apparemment il y a plein de bugs. Mais Matou, si tu suis la chaîne, je t'invite à venir en août. N'hésite pas à rejoindre le Discord aussi. Point d'exclamation Discord. Au moins cette arène est grande. Merde. Il se passe quoi? J'avais pas encore eu cette phase. Quand il me suit comme ça... On va essayer d'éviter de tomber dans le vide. Si tant est qu'il y ait du vide. Allez, ça, les patounes. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était un beau combat. GG, merci beaucoup.
Nous pleurons aujourd'hui la perte d'un être qui nous façonnait l'essence même de notre monde. C'est la fin d'une lignée, le dernier maître des portes. On est ensemble. Merci les patounes, merci. Ça fait plaisir d'avoir du soutien comme ça. Pour certains, c'était un chef mystérieux. Et donc ? Pour d'autres, un nuage obscur qui planait sur le monde. Trop fort, merci beaucoup. Poussé par le désir d'être encore plus grand que son créateur. C'est quoi cette coupe ? Personne m'a dit. On se souviendra de lui pour son rôle dans l'évolution de la technologie des portes. Sa capacité à maintenir l'ordre dans un monde à l'agonie. Et la détermination farouche dont il fit preuve pour échapper à la mort, quel qu'en fût le prix. Qu'on a dû en faire rager plus d'un dans les bugs. C'est vraiment un cas d'école. Je pense qu'on en parlera à tout jamais du cas Cyberpunk. Merci Matou. Et les patounes évidemment, mais Cyberpunk c'est vraiment un buzz incroyable, mais pas un bon buzz. Sa quête était peut-être insensée, mais son désir de vivre était tenace. Qui sait ce que nous aurions fait si nous avions eu à faire les mêmes choix? Inclinez-vous en sa mémoire, rendez-lui un dernier hommage. Son temps dans ce monde est révolu. C'est la quatrième grande âme. Il y a beaucoup de sexe. Un peu. Faudra qu'on fasse attention. Il y en a un peu quand même. Enfin, je connais pas le jeu, mais du peu que j'ai vu, il y en a un peu. David Fenn, le meilleur. Mais restez les patounes. Restez, c'est pas fini. David Fenn, c'est celui qui a inventé le jeu, qui a écrit l'histoire, qui a joué la musique. C'est assez incroyable. J'essaie certes d'avoir fini le jeu. Merci beaucoup. Mais c'est pas fini, hein. Vraiment. Sachez-le. Mon frère m'a dit qu'il y en a un peu et vite fait. Bon, ça va. Il est déjà fini. Non, non. Enfin... la trame principale, mais c'est pas fini. Vous allez voir, restez vraiment. Par exemple, cet endroit-là, on l'a pas vu. Un esprit dans la tête de marmite. Ah oui. Dans... comment il s'appelle déjà? Aux marmites. Oui, mais le jeu est... l'histoire principale est plutôt rapide, oui. Enfin, ça fait quand même 12 heures. C'est un bon jeu, quand même. Non, en vrai, il y a encore plein de choses à faire. Bravo, mon ami. Je n'ai jamais douté de toi une seule seconde. Il faudra du temps pour que le monde guérisse et que l'ordre naturel des choses soit restauré. Les corbeaux feront tout ce qu'ils peuvent pour y contribuer. Dis donc, c'est un sacré espoir d'avoir battu le patron. J'espère que notre vie ne finira pas encore plus mal avec tout ce bazar. En cette ère de changement, il est plus que jamais nécessaire de nous laisser guider par la porte du savoir. Yesai. Tu as trouvé tous les hôtels. J'espère que leur présent a facilité ton voyage.
ils sont délocalisés. Nous n'avons plus accès au coffre des âmes, mais je peux utiliser ton énergie animique pour améliorer tes compétences en combat. Mais le truc, c'est que j'ai pas assez là. Bravo, corbeau du présage. Nous savions que tu réussirais. Tu seras toujours chez toi dans notre nid, l'ami. Quête secondaire, ouais. Et là, il y a même endgame au-delà des quêtes secondaires. Parce que quêtes secondaires, c'était les hôtels, les améliorations des pouvoirs, les objets que j'ai pas tout trouvé, les armes, etc. Mais ouais, il reste, en vrai, il reste beaucoup de temps. J'ai emporté ma machine à écrire préférée en abandonnant la salle des portes. Je ne pourrais jamais vivre sans elle. C'est vrai qu'elle est lourde. Tout ce temps passé à trimer en vin, au service d'un chef qui s'est sûrement jamais soucié de nous. C'est difficile à admettre, mais j'ai de l'espoir pour l'avenir de des employés que je gérais, et pour celui de notre monde, bien que je m'inquiète un peu de ce qui va suivre. Alors. Ça devait me dire un truc, c'est bizarre. Ok, alors j'ai peut-être une idée. On peut plus les utiliser, je crois. Ah si. Mais du coup, on va où? On peut pas passer par le hall. Je me rappelle plus, j'avoue, je me rappelle plus. Pourtant, c'est vraiment la fin, donc c'est le plus récent que j'ai fait. Ah, c'est ça. On peut juste plus aller à certaines portes. Vieille tour de garde. C'est le bordel. Hein. Ah bah, tiens. Tu as trouvé une clé de crochet rouillée. Le maître des portes a dû la laisser tomber. Parfait. Ça m'indique où aller. Cette étrange babiole est une vieille clé rouillée en métal. Cette technologie était employée il y a des siècles, bien avant que les systèmes d'ouverture à base d'âme deviennent la norme. Elle doit rentrer dans une serrure en métal tout aussi vieille et rouillée. Ok. Mais du coup, ouais... Matou et les autres, clairement, je vous ai dit, hein, Stray, Endling, Cyberpunk, faudra que j'essaye Hollow Knight un jour quand même, faut vraiment que j'essaye, enfin que je réessaye, et Last of Us à la rentrée, sous réserve qu'il y ait d'autres jeux aussi entre-temps, quoi. Et puis agrémenter de Fall Guys si on peut, et qu'on essaye Supraland. Attends, est-ce que je peux maintenant? J'ai perdu un ami cher autrefois. Je suis rentré sous la clarté de la lune. Depuis ce jour, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Je me demande si je pourrais me sentir à nouveau entier. Je suis triste. C'est quoi ton biome monde préféré pour l'instant, Matou? Et alors là, attention les patounes.
Et alors ça, on ne nous explique rien. Et en fait, voilà quoi. Je suis là, frérot. Viens. C'est la nuit. Végétal dans le chat. C'est dur de choisir le moment, pour le moment, parce que j'ai pas fini. Sanctuaire des ruines est déjà bien sympa. Ouais, il est trop bien. Ouais, il y a une petite porte, là. On peut commencer à comprendre. C'est ouf de dire que le endgame est là depuis le début, quoi. Enfin, logique, mais... pas tant que ça. Ah bah par contre t'es pas du tout le bienvenu toi. Voilà, tu vois, t'es pas le bienvenu. Je t'avais dit. Fait bizarre sans musique. Hein. Ah mais alors toi par contre t'es où? Ah t'es en haut. Dans ma première run, je les trouvais, mais en fait, je les emmenais avec moi et je savais pas où aller. Et du coup, j'en avais plein qui me suivaient, c'était une galère. Mais ouais, le coup des ruines est bien sympa. Ah merde, on est go back to here. Ah bah salut toi. Du coup t'es où toi? T'es par là potentiellement? Ouais t'es là-haut non? Je sais plus. Ah non attends, il y en a un deuxième. Oula. C'est pas bon. Genre comme juste. Ah bah c'est là. Salut toi. Ah bah c'est en bas. Ah non mais putain, il y en a un autre. Donc du coup je sais pas s'il est par là ou si c'est celui d'en haut que j'ai loupé. C'est celui d'en haut je pense. Ils sont trop proches. Ah merde. Ah non, je viens de là. Bon bah c'était peut-être en bas en fait. Mais ça me paraît bizarre. Mais bon. On va aller voir quand même. On va pas aller jusque là quand même. Ça me paraît très bizarre, mais... on sait jamais.
sur moi de ouf. J'enlève de plus en plus sa collerette et je laisse un peu faire sa vie. C'est dur, mais il faut bien un moment. Bah oui. Putain, mais je te comprends totalement. Ça doit. Ah bah. Ça doit pas être facile à gérer, ouais, en effet. Putain, merde. Il manque juste celui-là. Il y a un ballon rouge qui tue. Ça va pas être facile à gérer, j'imagine totalement la situation dans laquelle tu dois être. Et courage pour ça. Putain, c'est pas facile, hein, faut le trouver. Hein. J'ai dû me gourer, encore une fois, sur un de... Les créatures qui me suivent, tu sais. Il est trop mignon, le petit. En même temps, c'est de la torture de ne pas la laisser se gratter. Mais ouais, ça doit être horrible pour elle. Est-ce qu'il n'y en a pas un, genre, au tout début? Je fais au mieux. Le produit l'aide à comprendre qu'elle ne doit pas se faire de mal. Ah, c'est bien. C'est bien, le produit a une vraie utilité, quoi. Ça me fait penser qu'il va falloir que j'arrive à lui mettre des fleurs de Bac. Si vous voyez, n'hésitez pas à me dire. Vous avez repéré ce que je recherche. N'hésitez pas. J'entends fatigue dans ta voix, j'espère que demain tu seras moins fatigué. Ouais, je suis claqué, surtout là sans musique et dans le noir. Mais il est que 21h, on va. 21h30, on va. On continue un peu quand même. Ouais, je vais me coucher pas trop tard et. Ah bah. Il dort ton pote. Et ensuite, demain, je vais me lever pas trop tôt. Je trouve que c'est par là. Hein. Bonsoir, Faucheur. Je ne dors plus vraiment. Je m'allonge ici tous les soirs, imaginant ce qu'on doit ressentir quand on n'est plus vivant. Si on était mort. Est-ce qu'on le saurait? Et donc. Réveil en forme demain pour toi. Y a pas le choix, sinon je dis à Poupe qu'elle parle à tes pigeons pour qu'ils te réveillent. C'est trop mignon. Il est où ce foutu dernier là? Peut-être qu'il faut que je retourne à l'endroit où je l'ai trouvé et que j'explore un peu plus dans ces eaux là. À propos de Zola. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Pédantix Sémantix. J'avoue, je le fais même plus, moi, de mon côté. Même au taf. Mais mince, alors. On ne dit tous pas merci pour ton bâillement. Ouais, c'est clair.
J'y pensais tout à l'heure. Moi, je propose Semantix. Les prénoms de F. j'avais vu un autre truc l'autre jour. Fleur. Ce serait pas Fleur? Regarde. Où sont les fantômes? Le problème, c'est que là, je suis paumé. Un là. Celui-là, je l'ai eu. Ah putain! Les patounes. Il est juste à côté, putain. Regardez. Les boules. J'ai fait tout le tour pour rien. Fleur, c'est le chat de ma famille. Elle est trop cute. C'est vrai? Et Popcorn m'appelle déjà doucement. Ben ouais, c'est vrai que on fatigue. Par contre, waouh, je sais pas comment retourner là-bas. Merde. Bon, au moins je sais où c'est. Après, en vrai, on peut se dire qu'on arrête là et on reprend demain. On fait tout le endgame demain. On fait juste la fin du fantôme, limite, et... Heureusement qu'on était là pour te dire où ça se trouvait. Ouais, grave, hein. Merci, hein. Merci de m'avoir aidé, les patounes, hein. Franchement, putain, sans vous, je sais pas ce que je serais, hein. Qu'est-ce que tu ferais sans nous? Bah ouais. Eh, hey, de rien, hein. Non mais franchement, regardez, c'est juste là. Comment je me perdrais dans ce labyrinthe? Mais c'est avec plaisir. Bande de patounes. Mais en fait, le truc, c'est que à force, on commence à le connaître. Toi, moi, il faut pas oublier que je l'ai quand même fait beaucoup de fois. Enfin, c'est la troisième fois que je le fais. Et bien même au bout de la première fois, quand tu explores le monde entier, tu commences à connaître les embranchements, etc. Mais oui, quand tu regardes comme ça, sans trop regarder, forcément, il y a un moment où tu captes pas tout, quoi. On troll tous. Ouais, je vois ça. T'as encore besoin, demande-nous, putain. Vous y mettez tous. Ouais, merci beaucoup pour votre aide, hein, vraiment. C'est un gros poids, c'est... Tu as trouvé une ancienne tablette du savoir. Tu sens son regard pénétrer ton âme. Très bien. Eh ben, moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Ça fait deux petites heures, on est tous fatigués. Moi, en vrai, comme ça, je vais me coucher pas trop tard. De toute façon, on tombe tous dans les patounes, les pop-corn. Et ouais, bah, on se refait ça demain, si ça vous chauffe. On est à combien, là? On est à 92% quand même. Putain. On a battu le boss final, on a vu qu'il y avait un endgame. Comme ça, prochainement, on se fait endgame et objet si jamais, et voilà. Encore GG pour ta victoire, demain avec plaisir. Merci beaucoup Crystal. Demain, je vous tiens au jus, mais en vrai, c'est faisable, mais je sais que je serai peut-être de retour chez moi vers 21h ou plus, donc je verrai si j'ai le courage. Au pire, mercredi. Tu sais pas si tu seras là demain à Dream, ça... Bah oui, il y a ta famille. Eh ben, si t'es là, t'es la bienvenue. Et sinon, on se rejoint la prochaine fois que tu seras là. Et quoi qu'il arrive, on se tient au courant sur le Didi où vous êtes pas à 24. Et si tu peux pas, je force pas. Ouais, je verrai en fonction de la fin de journée, en fonction de mon état.
Putain, il fait encore jour, les patounes. Je vais le rejoindre, lui. Il demande que ça. Au pire, on fera un live doudou tous ensemble. C'est fou. À plus tard, tout le monde, repose bien. Ouais, merci d'être passé, merci d'être là. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Bonne soirée, bon courage à tous pour ce que vous avez à faire, genre les révisions, Julia, et le reste, les autres. Et merci encore pour ton sub, Louloute, et pour ton follow, Matou. Reposez-vous, putain, je commence à avoir mal à la tête en plus. La dernière, je me suis couché quand le jour se levait. Oh, et moi, quasiment en vrai, pareil, hein, mais fais attention. Prends soin de toi et ton hygiène. Bonne et belle soirée à vous tous. Salut les patounes. Tchou tchou tchou.